Bonjour, je suis Romy, sophrologue, praticienne en hypnose, énergéticienne et la fondatrice de Serena, bien-être et développement personnel. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler de la signification des points d'EFT. L'EFT, c'est une technique très simple que vous pouvez reproduire chez vous en tapotant sur des points bien précis qui correspondent à des méridiens en lien avec des organes de notre corps. L'EFT va vous permettre de vous libérer de certaines croyances limitantes, émotions négatives, que ce soit du passé ou d'aujourd'hui, vous libérer de certaines douleurs chroniques, somatiques, d'améliorer votre image de vous-même, de régler tout un tas d'autres problématiques. Vous pouvez même arrêter de fumer avec l'EFT, gérer vos peurs, vos angoisses, des phobies, et puis vous pouvez même l'utiliser pour faire du développement personnel. Alors si à un moment donné, vous butez sur un mot, vous avez du mal à dire votre phrase affirmative au moment où vous êtes sur un point bien précis, je vous invite à regarder la signification de ce point parce qu'il va être directement en lien avec votre problématique. Le point au-dessus de la tête, à quoi correspond-il? En fait, ce n'est pas un seul point, mais c'est plutôt un ensemble de points qui va en fait ouvrir le système énergétique. Alors ce point va dissiper en fait tout ce qui est tension physique, manque de concentration et la difficulté à passer à l'action. En tapotant ce point, vous allez renforcer en fait votre connexion spirituelle, votre sagesse, vous allez renforcer votre intuition, vos capacités intellectuelles, de concentration, de mémorisation, mais c'est aussi le point d'entrée de la distribution de l'énergie dans tout votre corps qui va provoquer donc un apaisement. Alors, le point en dessous des sourcils qui se trouve ici dans un léger creux. Alors, ce point est en lien direct avec le méridien qui va vers la vessie. Il va dissiper tout ce qui est séquelles émotionnelles, les événements traumatiques, difficiles. Il va dissiper votre manque d'ambition, la stagnation dans n'importe quel domaine de votre vie, vos peurs, la frustration, l'impatience, l'agitation. Voilà, donc ce point va agir sur toutes ces problématiques et il va renforcer tout ce qui est les... Il va renforcer vos ressentis émotionnels, votre intuition, votre force intérieure, votre courage à faire de nouveaux changements nécessaires dans votre vie. Le point au coin des yeux, ici, qui se situe ici au niveau des petites encoches, des petits creux. Ce point est directement en lien avec la vésicule biliaire. Il va dissiper tout ce qui est rancune obsessionnelle, les sentiments de rage, de haine, les besoins de vengeance, la colère, la fureur, les blocages. Ce point va venir renforcer une vue d'ensemble qui est juste sur les choses, l'expression constructive de la colère, la mise en pratique des pensées et des idées rêvées, la clarté et la compassion. Dans le point qui se trouve sous les yeux, où vous allez trouver des petites encoches sous les cernes ici, ce point est directement en lien avec l'estomac. Il va en fait dissiper tout ce qui est soucis obsessionnels, les idées fixes, les besoins d'attachement excessif à quelqu'un, pardon, ou quelque chose. Le vide que vous portez à vous-même, l'anxiété, la peur, les phobies, les privations, l'amertume, la déception, l'avidité aussi. Ce point, en le stimulant, vous allez renforcer la bonne assimilation des expériences, la capacité de donner et de recevoir de manière équilibrée, les sensations de contentement et de plénitude, la sensation de sécurité et de calme. Ensuite vient le point sous le nez, ici, qui est directement lié en fait au méridien vaisseau gouverneur 26.
Il va en fait dissiper tout ce qui est la timidité, la gaucherie, la honte de soi-même, la crainte de s'infirmer, de s'imposer, le fait de savoir dire non, les peurs par exemple, les peurs de parler en public, la peur de passer un examen, tout ce qui est embarras. Voilà, le fait d'être embarrassé. Il va dissiper aussi l'impuissance et le désespoir face à une situation. En stimulant ce point, vous allez renforcer votre originalité, votre aisance, votre confiance en vous, en société, dans la vie de tous les jours. Vous allez renforcer l'acceptation de vous-même tel que vous êtes. Ensuite, le point au niveau du menton, ici, est directement en lien avec le méridien vaisseau conception 24. Ce point va dissiper tout ce qui est sentiment de culpabilité, les remords, l'accablement, la désolation, les tourments, les besoins de réprimer les autres, enfin ceux qui vous ont fait du mal, le besoin de punir, la honte, l'indignité, la défectuosité et l'inutilité. Quand vous allez stimuler ce point, vous allez renforcer les capacités de pardon, d'oubli d'une certaine situation ou même envers vous-même. Vous allez renforcer la capacité d'accepter des choses qui se sont passées dans le passé ou dans le présent, telles qu'elles sont. Vous allez les accepter telles qu'elles sont. La volonté d'aller de l'avant en tournant la page. Voilà, l'acceptation, la confiance en soi. Ensuite, il y a le point sous-clavicule qui est en lien avec les reins. Ce point va dissiper vos peurs, les terreurs, les attaques de panique, la peur de manquer, l'agitation, l'épouvante, les phobies. Alors, toutes les phobies, vous pouvez y aller. L'indécision, la lâcheté, le manque de libido, le manque de confiance en vous. Ce point, en le stimulant, vous allez renforcer la sensation de sécurité en tout lieu, en tout temps, votre calme intérieur. Vous allez renforcer votre envie de faire des choses impensables aujourd'hui, pour vous. Vous allez renforcer votre désir d'avancer dans votre vie et vous allez augmenter votre confiance en vous. En ce qui concerne les points donc sous les aisselles, ces points correspondent au méridien de la rate et du pancréas. Donc ces points vont dissiper tout ce qui est interdit intérieur, qui vous empêche de profiter de la vie, de passer à l'action, les sentiments d'ennui, le renoncement par rapport à quelque chose, l'amertume, les point de vue défaitiste, manqué d'avance, les manques d'originalité, il va dissiper tout ce qui est anxiété par rapport à votre futur, les soucis, le manque en cas de dépendance, si vous êtes dépendant à une substance, cela va vous aider. En stimulant donc les points sous les aisselles, vous allez augmenter votre assurance personnelle. Le fait de vous, comment dire, le fait de vous affirmer par rapport à vos capacités innées qui sont en vous. Vous allez renforcer votre envie de connaissance, vous allez renforcer vos capacités intellectuelles, vos envies d'entreprendre, de faire de nouvelles choses qui sont importantes pour vous, de passer à l'action. Ça va renforcer aussi la sensation de bien-être et de contentement dans votre vie. Les points au niveau sous la poitrine, qui sont en fait dans le prolongement des tétons, juste en dessous, en fait, ces points sont en lien avec avec le foie, pardon, le méridien qui est en lien avec le foie. Donc, ces points vont dissiper tout ce qui est sentiment de frustration, de confusion intérieure.
tout ce qui est procrastination, le fait de remettre à plus tard, voilà, une décision à prendre sur le moment aussi, le fait de ne pas se réaliser, pour les personnes étroites d'esprit, pour des situations, des personnes léthargiques, pour tout ce qui est colère généralisée, tout quelqu'un qui est toujours en colère, tout le temps, le manque de joie, le ressentiment. En stimulant ces points, vous allez renforcer votre dynamisme, votre fougue nécessaire pour poursuivre toutes vos ambitions. Ça va évidemment renforcer la confiance en vous, en votre propre jugement et votre point de vue sur les choses. Ça va renforcer votre envie de vous exprimer, d'exprimer vos talents, vos compétences personnelles. Ensuite, au niveau du point karaté, ici et ici, ces points sont directement en lien avec l'intestin grêle et le cœur. Ces points vont dissiper tout ce qui est opposition du subconscient à réaliser quelque chose, des objectifs que vous serez donnés. Ça va dissiper aussi tout ce qui est pensée noire, négative, le manque de confiance en vous, la crainte de l'échec ou la peur du succès. Ça va aussi dissiper tout ce qui est résistance au changement, le trac. Alors oui, ça peut être quelque chose à faire si vous avez besoin de parler en public, si vous passez sur une scène, ça peut être intéressant. Ça va dissiper votre anxiété, votre vulnérabilité, les compulsions, les obsessions, la tristesse. Quand vous allez stimuler ces points, cela va renforcer vos capacités, intellectuelles, votre perspicacité, votre adresse physique, les performances dans tous les domaines de votre vie, que ce soit sportif, sexuel, professionnel, etc. Ça va renforcer également votre bonheur et la capacité à lâcher prise. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et mon blog myserena.com. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. À bientôt!